Eh bien salut à tous, c'est Gabin, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons faire une FAQ parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions et du coup voilà, aujourd'hui je fais une FAQ, donc j'ai sélectionné des questions, pas des questions qui reviennent, des questions qui reviennent le plus souvent, c'est des questions qui, des fois qui sont un petit peu rigolotes, donc voilà. Alors du coup c'est, tu es en quelle classe? Alors j'entre en 4ème et voilà. As-tu une copine? Alors cette question-là, je sais pas pourquoi ça vous passionne. Alors il y a eu, mais j'ai des milliards de commentaires qui disaient ça. Sur 1000 commentaires, imaginons, il y en avait 700 qui parlaient de ça, quoi. Et c'était vraiment énorme. Et la réponse est... Non. Non, 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 non. Voilà, non. La réponse est non. Troisième question, mon animal préféré. Alors mon animal préféré, c'est Ify. Mon animal préféré c'est la race de Ify. Oh, c'est des chiens mais ils sont magnifiques. Ils se ressemblent tous mais ils sont magnifiques. J'adore avec leur petite bouille toute écrasée comme ça. Et puis dès que j'ai des copains qui viennent à la maison, ils trouvent aussi Ify toute mignonne. Quatrième question, tu l'as fait quand ta vidéo? Je crois que je suis en train de la tourner là. Peut-être, ouais. Question suivante. Mes tenues préférées. Alors mes tenues préférées, on va aller chercher ça tout de suite. Ok, donc déjà ça c'est une de mes tenues que j'aime bien porter, voilà. Avec un petit jean, avec ça, un t-shirt. Toutou. Alors, je suis pas allée chercher en tout en détail. Mais alors, en ce moment comme veste le matin, j'aime bien mettre celle-ci. Voilà, d'ailleurs vous pouvez voir que la poche est ouverte, c'est normal quand ce matin je suis partie vers mon bus. J'ai oublié de prendre mes cartes, du coup j'ai dû revenir, ouais, c'est pour ça qu'elle est ouverte. Voilà, donc cette veste là, ce pull là, alors ce pull là, mais il est trop beau, il est trop magnifique. Voilà, donc il est un peu grand quand même. Hein. Et sinon après, j'ai tous mes t-shirts que j'ai achetés là il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, tout mon... Voilà quoi. Ensuite, alors, ah oui, cette question, vous avez été très nombreux à me la poser, c'est fais un Instagram contrôle ma vie. Donc alors, déjà je vais commencer, vu que je viens juste de me lancer tout seul, là il n'y a personne derrière la caméra, c'est moi qui coupe, c'est moi qui, voilà. Du coup, je vais essayer de faire des tournages un petit peu simples, on va dire. Comme là c'est assez simple, tu vois, tu lances la caméra et ça filme quoi. Mais du coup non, ouais non, pas pour l'instant. Ça va être plutôt dans mes futures vidéos, même quand ça sera plus à la mode, peut-être j'en ferai un, je sais pas. Ça renouvre. On a encore un mot sur lequel je bug. Ça renouvellera la mode. Ouais, on va partir là-dessus parce que sinon ça va être trop compliqué. Ensuite, mon jeu préféré, ça dépend. Bon, on va dire sur la PS4, c'est Fortnite. Fortnite et juste Fortnite. Fortnite, mais alors ceux qui n'aiment pas, je ne les comprends pas. C'est impossible de ne pas aimer Fortnite. Oh là là. Si, je sais, je connais quelqu'un qui n'aime pas Fortnite. C'est Johan, l'animateur Gulli. Il n'aime pas Fortnite. Il aime juste les danses de Fortnite. Voilà, c'est la petite anecdote, désolé Johan. Voilà. Ensuite, tu fais du sport. Alors j'ai arrêté il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans le foot. Parce que ça commence à me saouler et je ne l'ai fait pendant 4 ans. Et 4, non, 4. Oh, je sais plus. La réponse est oui, je fais du sport. Enfin, du sport, entre guillemets, quoi. Je fais du vélo, du basket et du trampoline. Principalement à la maison, et puis voilà. Quel métier aimerais-tu faire plus tard? Moi, franchement, j'aimerais bien être youtubeur. J'aime bien le métier de youtubeur. Je sais pas, ça change, c'est stylé quoi. Ok, donc alors 10ème question. Aimes-tu ranger ta chambre? Es-tu organisé? Ranger ma chambre, c'est un bien grand mot. Mais vu que ma chambre est un petit peu en bazar, c'est un peu compliqué pour moi de ranger. C'est pas très souvent moi qui fait mon lit, tout ça, donc juste pour répondre à ta question, je n'aime pas ranger ma chambre, voilà, on va être franc. Et es-tu organisé? Pour ce qui est mon ordinateur, ça va, mais pour ma chambre, pas vraiment. Ah, j'ai pas fini de lire,
Tu peux faire un roman. Tu peux faire un roman tour. Un roman tour. Un roman tour. Bah allez, c'est parti pour faire un roman tour. Tac. Ok, donc alors pour le roman tour, j'ai décidé de vous présenter Fortnite Battle Royale pour enchaîner les top 1. Voilà, donc alors c'est un beau roman. Il explique plein. Voilà, c'était. Regardez, je vous fais un petit tour parce que c'est un roman tour quand même. Voilà, donc il y a beaucoup de. Voilà, là il y a la map avec le top des plus grandes villes. Ensuite, il y a plein de choses. Il y a par exemple tout le nombre de coffres qu'on peut trouver à Tilted Tower. Voilà. Donc c'était le petit roman tour. On continue. Et non, mais alors sinon. Non, on continue pas du tout. Non. Donc alors, vous avez aussi été très très nombreux à me demander que je fasse un room tour pour ma chambre. On a eu des gros retards pour mon lit. Là, je suis encore sur mon matelas. Pour l'instant, ça va. Ça me convient. Mais j'aimerais bien tourner ma vidéo pour mon lit. Ce serait vraiment super cool, quoi. Quelle est ma couleur préférée et mon rêve? Alors ça, c'est deux questions différentes. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Voilà, le bleu ciel, quoi. Le bleu comme le ciel que je vois là actuellement, il est très 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 beau. Et mon rêve, alors mon rêve, je l'ai déjà réalisé avant, c'était de voler, mais j'ai fait l'iFly et j'ai volé, voilà. Et sinon, bah maintenant, mon rêve de maintenant, ce serait de me téléporter. Comme par exemple maintenant, dès qu'on part pour aller à la gare et que je vois qu'on arrive dans les bouchons avant d'arriver à la gare, maman elle fait, je sais pas si on va arriver à temps, tout ça. Pour l'instant, on l'a loupé qu'une seule fois le train, donc ça va. On a pris celui d'après. Mais alors là, ça va mieux. Voilà. Donc alors, voilà. Donc ce sera de se téléporter. Comme ça, bon, pour arriver directement des bouchons, comme ça, à la gare. Et alors là, ce serait mais magique. Ensuite, c'est quoi mon plus grand défaut? Alors mon plus grand défaut. Alors, le mieux serait que j'appelle un copain et que je demande qu'est-ce que c'est mon plus grand défaut. Parce que moi, je sais pas quoi dire. Allez, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va appeler un copain et on va lui demander quel est mon plus grand défaut. J'essaie de demander à des copains, sauf que tous mes copains ne me répondent pas. Et du coup, voilà, donc j'ai essayé de demander ce coup-là à des copines, à des amis. Donc alors, j'ai deux amis, Marine et Julia. Julia qui est ma meilleure amie, Marine qui est une superbe amie. Et du coup, je leur ai demandé sur Snapchat, dites-moi mon pire défaut, PS, vous passerez dans la vidéo. Et du coup, elles m'ont dit, attends, on réfléchit, il n'y en a pas beaucoup, donc ça part déjà bien. Donc là, pour l'instant, ils réfléchissent. Et du coup, on se retrouve quand elles m'auront dit mon pire défaut. Allez. Oh, les deux écrivent. C'est bon signe. Allez, cocotte. Ah, je vais continuer le roman tour à la limite. Alors voilà, comme je vous disais, le livre de Fortnite est plutôt stylé. Regardez, avec le jaune, des effets de profondeur comme ça, avec les petites formes géométriques derrière, avec 100 joueurs, une île, un seul survivant, top 1 égale top 1. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Si vous le voulez, achetez-le en librairie. Il coûte... c'est pas marqué dessus, donc je sais pas. C'est mieux ou moins. Voilà. Alors, premier truc. Mais elle a mis 3 ans à écrire un mot. Je sais même pas ce que ça veut dire en plus. Je sais même pas ce que ça veut dire. Alors, elle, les deux. Il y en a une qui a suivi l'autre. Hein. Elle m'a trouvé impulsif. Wow. Je comprends pas. Ça veut dire quoi?
Adjectif et nom qui agit sous l'impulsion de mouvements spontanés ou fort, au plus fort que ça vaut. La question 13. Est-ce que tu aimes ta classe? Alors, je vais vous raconter un petit truc. C'est au collège, on a un groupe, un gros groupe. On est à peu près une vingtaine. Et il y a des garçons et il y a des filles. Et en fait, et bah, dans tout ce groupe-là, tous les garçons ont été mis dans une classe. Tous dans une classe. Et non, il y en a deux qui... Voilà quoi, donc ma classe, on va dire que... ma classe, c'est bof. Ensuite, alors question 14, c'est quoi ta passion? Et ben ma passion, c'est jouer à Fortnite, faire des vidéos. J'ai pas une passion, c'est faire du sport aussi. Faire des vidéos, faire du trampoline, du basket, du tous les sports. Et passer du temps aussi sur mon téléphone. Et donc c'est la vidéo touche à sa fin. Alors bah moi j'ai carrément bien aimé la tournée. En tout cas bah j'espère que vous en aurez appris plus sur moi. Dites-moi si vous voulez une autre FAQ par exemple, je sais pas pour quel cap. Pour les 50 000 abonnés on dira. Ouais pour les 100 000, je sais pas comme vous voulez. Et voilà, donc moi si vous voulez une partie 2. Je n'ai toujours pas d'écran de fin. Voilà. Donc, peut-être que je fasse un truc, quoi, parce que là, franchement, ça commence à faire pas mal de temps que j'ai posté ma première vidéo. Avant ma première vidéo, j'y ai réfléchi, et là, j'y ai réfléchi depuis ma première vidéo. Sauf que, bah, j'ai toujours pas d'idée. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, on va faire un écran fin une bonne fois pour toutes, là, parce que, franchement, on va trouver un truc, allez. Donc, alors, on va faire... j'ai pas d'idée, donc on va faire la vidéo touche à sa fin. Donc alors moi j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai carrément aimé la kiffer. Bah mettez un maximum de likes, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, et en tout cas n'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que cet écran de fin était pas mal? Dis-le moi dans les commentaires, et moi je fais plein de gros bisous.